déjà décisif. Après un faux pas lors de la première journée, il est impératif de rebondir sous peine de subir une élimination précoce dans la compétition. Apparemment, les joueurs ont bien compris le message. Espérons qu'ils vont démontrer toute leur qualité dans cette rencontre qui s'annonce passionnante. En tout cas, vu l'ambiance qui règne ici, je peux vous dire qu'ils vont être très très vite dans l'intensité du match. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. C'est l'heure de l'hymne du Brésil. Après une défaite au premier match, il est important de vite rebondir. C'est vrai que l'équipe est un peu sous pression à cause de ce résultat. Cette phase de poule va très vite, vous savez, mais il reste encore deux rencontres pour corriger le tir. On est parti pour 90 minutes. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Moi, j'apprécie beaucoup Dani Alves. Franchement, on ne fait pas beaucoup mieux comme défenseur latéral. Il peut faire la navette sur son aile pendant 90 minutes et même repiquer dans l'axe. C'est simple, on dirait qu'il est infatigable. Et puis, quel palmarès! Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Et le centre bien placé. Ce sera le premier corner du match. Bien, tente sa chance. Oh, mais quelle parade! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Alan, s'il le trouve. Et il perd l'équilibre. C'est bien fait, ça. C'est joué long. Attention, quelle fait du bien cette interception. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Bien, la profondeur. Bien servi. Le tacle. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. Souci pour le gardien. En ce début de match, on assiste à un petit round d'observation, mais c'est tout à fait logique. C'est vrai, mais il n'y a pas de raison de prendre des risques inconsidérés non plus. Le Panama se verrait peut-être bien réaliser un coup aujourd'hui. Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. Oh, le bon ballon. Allez, c'est dangereux. Ça y est, ce match est vraiment lancé.
Il se retrouve mené. Ça, c'est une surprise. Un long ballon vers l'avant. Neymar! Et il cède sous la pression. Ce contre peut très bien aller au bout. Le ballon piqué sur le côté. Ça doit faire... Oui, il peut frapper là! Vous avez remarqué comme les latéraux montrent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de... Un coup de sifflet, ce sera une faute. Son centre. C'est une remise en jeu. Dans la surface. Oh, il y a danger. La défense s'en sort là. Bien joué, ça. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Ça peut être extrêmement dangereux. Arthur. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Roberto Firmino. Neymar, qui est forcé de temporiser un peu, là. Cherche en profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien ce qu'il faut pour frapper là. C'est au fond des filets. Un grand pas dans l'avance de deux buts. Quelle bête solitaire. Peut-être qu'il était sous pression. Le Brésil, il compte maintenant deux buts de retard, incroyable. Alan, qui a de la liberté. Philippe. On nous annonçait la pluie, la voici. Neymar, qui rejoue derrière. Va-t-il en profiter? C'est joué long, c'est dangereux. Il joue en retrait. Pas le choix avec cette défense. Avec Dani Alves. Oh, quel geste! Le Brésil qui essaye de construire. Il prend sa chance! La passe dans la profondeur. Il était bien présent. Arthur. La passe en retrait vers son défenseur. Le ballon donné dans la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Le bon ballon. Voilà qui met un terme à cette première période. Ils ont fait peut-être la meilleure mi-temps de leur vie. Ils ont une avance confortable et attention à ne pas relâcher les points de l'équipe. 2-0, c'est une avance déjà confortable. Allez, on est reparti. Marquinhos. Philippe Coutinho. Une occasion peut-être pour Roberto Firmino. Oh, voilà une bonne occasion de contre.
Cette attaque n'a pas pu se développer. La bonne passe. Coutinho. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Alan, bon service dans la profondeur. Neymar. Juste au retour des vestiaires pour bien débuter cette seconde période. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. Il fallait marquer vite dans cette deuxième période et il en fait. Maintenant, il faut pousser pour égaliser. Pas assez précise cette passe. Alan. Neymar. Coutinho. Attention avec les tacles. Il relance côté droit. Il décide d'allonger le jeu. Roberto Firmino. Voilà un coup franc intéressant. Et il est sanctionné. Carton jaune. Il conteste le carton, mais pas sûr que ça serve à grand chose. Le dégagement. Ça n'a pas pu aller plus loin. Coutinho. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. Mais ce sera un corner. Le corner est joué court. Le tacle glissé. C'est joué dans l'espace. Il est sorti du jeu. Une occasion peut-être pour Roberto Firmino. David Neres vers l'arrière. Il était vraiment propre ce tacle. Philippe. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Marquinhos. Au tour du gardien de jouer. Le long dégagement du gardien. Touche. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Douglas Costa qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Le ballon dans la profondeur. Dans la profondeur. C'est joué dans la profondeur. Le bon jaillissement. Philippe. Oh, voici Neymar. Il est bien placé. En retrait vers son gardien. Et dégagement du gardien. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est osé. Oui, oui, il était hors jeu. Le Brésil qui effectue donc un nouveau changement.
Philippe. Neymar. Oh, quel Costa. Sans se poser de questions. Il cherche son coéquipier. Arthur. Alan. L'occasion peut-être. Costa. Oh, la main ferme. Ils sont passés tout près d'égaliser. Et l'équipe peut le remercier si elle mène encore. C'est bien grâce à lui. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. C'est joué court à deux. Attention au centre. C'est dégagé. Il part en solo. Ça joue à gauche. Bonne lecture de la trajectoire. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Danilo. La passe est précise. Frappe. La faute. Oula, il va avoir du travail, l'arbitre, pour calmer tout le monde. Ça commence à s'échauffer. Il faut revenir sur le jeu. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs, là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Ça va sur l'aile. Peut-être une occasion pour Douglas Costa. Coutinho. Il tire. Oh, c'est un arrêt important, ça! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Ça joue long. Le bon ballon. Il est bien placé. Le bon dribble. Oh, la frappe! Quel but! Voilà, un one man show tout simplement impressionnant. Non, mais quel sang-froid! Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque, c'est plié. C'est joué long. Philippe Coutinho. Arthur. Thiago Silva. Dans la profondeur. Danilo. Bien servi sur le côté. Oh, le contre, l'arme fatale. Dans la profondeur. Ça, c'est une interception parfaite. Il préfère jouer avec son gardien. Le gardien loin devant. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Quelle victoire. Quelle victoire absolument fantastique, sincèrement. On va s'en souvenir longtemps de ce match. Il fallait s'imposer, il fallait gagner pour espérer aller plus loin. Ils y sont parvenus aujourd'hui. C'est bien. Alors, que retenir de cette rencontre? Vous savez, on dit qu'on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et pourtant, tous les joueurs que je connais préfèrent gagner. C'est drôle, non? Voilà, Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. C'est toujours un plaisir partagé.